Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai reçu un gros, un petit. Je pense, vu la value, elle est de 12$. Donc là pour le coup ils l'ont bien augmenté si c'est ce que je pense, parce que c'est normalement c'est 8 stars. Donc bien emballé. Hein, bien mieux que Home Fun. Bon après il y avait deux boîtes, mais là voilà, c'est pas... Il y a du mou quoi. Il n'y a pas... Et ça, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Sinon pour les nouvelles, j'avais eu un problème avec mon Deadpool et mon Kawa, enfin ma moto, enfin surtout la moto. Il me manquait pas mal de perles sur la moto, le canevas était arrivé complètement abîmé, j'ai envoyé un message au vendeur, et puis j'ai ouvert un litige parce que voilà, pour moi c'est inadmissible. Et il m'a menacé en fait, donc je vais vous... rappeler le nom du vendeur, donc c'est Moon Zero Handicraft Factory Store. C'est pas un official store, donc déjà voilà, je crois que je vais arrêter quand c'est pas official store parce que j'ai beaucoup moins de problèmes avec eux. Et voilà, donc il m'a menacé en me disant que si j'enlevais pas mon litige tout de suite, il allait me poursuivre en justice. oui, d'accord, bon bah j'attends toujours, hein, mais par contre il a, je peux vous dire qu'il va me rembourser. Voilà, donc on va commencer par le petit. J'aime bien commencer par les petits. Qu'est-ce donc? Ah, c'est mon Wish celui-là. Alors franchement, il a pas mis beaucoup de temps à arriver. J'en ai acheté un seul sur Wish parce que je trouve que Wish, c'est très cher en fait. Ça sert à rien. C'est cher. Il y a des frais de port, on va payer un truc 5-8 euros, un truc qu'on va payer 2 euros sur AliExpress. Et AliExpress, je me suis rendu compte, donc j'essaie de faire attention maintenant, mais j'essaie de faire arriver que par AliExpress Shipping, je sais plus trop quoi, ou China Post. Mais le reste, je proscris parce que c'est très très loin à arriver. Donc je vais voir mon premier produit de chez Wish, sûrement le dernier, mais c'était juste pour voir le temps que ça mettait. Franchement, ben, c'est rapide. Plus rapide, je trouve. Et j'en ai eu pour 2 euros, je crois, comme ça, pour celui-là. Bon. Donc, les couleurs sont très sympas. Le kit tool. Si vous voyez bien les couleurs. Voilà. Elles sont très vives. Donc, c'est un partiel. C'était voilà, un petit chimpanzé. Tout simple. J'aime bien les partiels que quand il n'y a pas un écart. C'est-à-dire quand il y a, admettons, un singe. Où c'est pas, où il y a une zone qui n'est pas accolée avec juste la banane à faire, je trouve ça immonde en fait, je trouve ça vraiment moche. Comme celui-là avec les licornes, il y a deux licornes à faire, et puis tout le reste du décor, c'est comme ça, je trouve ça moche. Par contre, quand il y a un seul animal ou un seul objet avec un fond noir, alors les fonds blancs, c'est pas terrible, je trouve, parce que ça fait pas bien quand on les encadre, mais avec un fond noir ou marron, je trouve ça sympa. Donc, bah, à voir. Je comprendrais... les couleurs moi-même. Donc il y a 13 couleurs et c'est du rond. Elles sont super jolies les couleurs, franchement. Mais c'est pareil, celui-là est très rapide à faire. Voilà. Donc, je pense que on va le faire vite parce que c'est des trucs à 11. Bon, j'ai dit 13 couleurs. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commandé celui-là. Je me souviens plus. Mais je sais que c'est. Je crois que c'est le dernier que j'ai commandé. Ouais, c'est le dernier que j'ai commandé. Donc 13 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Voilà, comme ça, j'ai plus besoin de revenir à celui-là. Sinon, Home Fun, bon, je me renvoyais. J'ai eu des perles manquantes sur, juste sur la cuisine. Ouais, sur la cuisine. Et puis, j'aurais demandé de me rembourser une partie pour les dégâts, quoi. Parce que pour moi, c'est inutile de recevoir ça comme ça. Donc, on verra. Ils sont beaucoup moins chiants que Mini Zéro. Alors. Je pense que c'est 8 stars. Hein, et franchement, je pense que je vais pas être déçue de 8 stars. Je sais pas pourquoi je le sens.
Après voilà, l'autre fois avec HomeFun, j'ai fait une grosse commande, donc forcément ils m'ont tout envoyé en même temps. Donc, bah, c'est pas écrit sur le paquet. J'ai galéré l'autre fois, la grosse vidéo, elle a fait 30 minutes. Là. Ah non, c'est... Ah bah j'ai rien dit. C'est HomeFun mais c'est pas Official Store. Alors, je sais pas trop ce que ça change. Mais alors pour le coup, c'est pas écrit HomeFun sur la boîte. Je crois que c'est HomeFun ça. Mais c'est pas HomeFun Official Store. C'est bizarre. Bon alors, Lucky Tool. C'est du carré? Non, c'est du rond. C'est un éléphant multicolore. Qui est très bien emballé pour le coup. Oh, d'accord. Je pensais pas qu'il arriverait si tôt. C'est un 40 par 50. Je trouve super joli. Je pense que niveau couleur, on va être gâté. Là, je vois une petite 40. Une bonne quarantaine. Ah, les couleurs, elles sont top. Moi, j'aime beaucoup les couleurs claires. Je suis pas très fan des couleurs foncées. Après, quand il y a vraiment des modèles qui me plaisent et que c'est que des couleurs foncées, je fais avec, quoi. Mais... D'accord. Donc, un 40 par 50. Bon, très bien emballé. La toile, franchement, nickel. Même si ça, bon, je suis pas très fan en général. Parce que... Vous voyez ce que ça a donné la dernière fois. Et donc, quand il n'y en a qu'une, ça passe. Alors. Allez, en deux parties. Comme d'hab, c'est enroulé, il faut se donner enroulé. C'est un petit peu chiant. Hein. Pas trop le choix. Ah oui, puis chez HomeFun, j'ai pas mal de problèmes de. J'ai eu un morceau d'une de mes toiles qui s'est décollée. Non mais là c'est pareil, ça se décolle. Là. Quand t'as la colle qui part avec, ça peut changer. Voilà. Donc on voit très bien. Et là, j'ai la colle qui va avec. De côté, non. Niveau qualité, je suis pas sûre quoi. Je vais l'aplatir déjà. Là, comme ça, je serai moins embêtée de l'autre côté. Pour vous montrer l'éléphant. J'avais regardé une photo en 40x50, ça m'avait plu. Ah. Ça, c'est ma spécialité de faire ça. Alors, on met de la colle. Là. On va y arriver. Voilà. Alors, vous le voyez de côté, je vais vous le mettre. Je vais juste le rabattir. Parce que. Comme ça, ça tient droit. C'est quand même bizarre, mais c'est comme ça. Donc l'éléphant. En général, je vois mieux quand c'est de l'autre côté. Bon,
ça fera l'affaire, hein. J'ai pas trop le choix, de toute façon. Mais effectivement, pour un truc avec autant de détails, 40 par 50, c'est même pas assez, assez grand. Je suis un peu déçue quand même. Mais bon, après je me fie à la photo de la cliente qui l'a fait elle en 40 par 50, ça m'avait plu, je me dis que... Même si c'est un peu abstrait, c'est pas grave. Donc imprimé rond, ok. Ça me perturbe assez quand les imprimés sont carrés et que les perles sont rondes. Ça m'arrive très souvent. Plus souvent que je le voudrais. Donc voilà. Bah, c'est plutôt cool. Je pensais que c'était mon custom qui était arrivé de chez Vistar. C'est pas le cas, mais bon, du coup, j'en ai encore quelques-uns qui doivent arriver. Donc on verra. Je vais faire le contrôle des perles, des diamants, et puis j'espère que ça va le faire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.